De l'héroïne et tous les attirails de la présumée trafiquante de drogue saisie à résidence Kennedy. Ce coup de filet pèse, selon la brigade antidrogue, 100 millions de roupies. Une grosse opération policière a eu lieu dans la soirée de mercredi dans ce quartier. La drogue a été retrouvée chez Samantha Chaurimutu, cette femme de 24 ans et l'épouse de Curly Chaurimutu, un trafiquant qui pioche une peine de 25 ans de prison. C'est par voie maritime, notamment entre le Goulet et le Mône, que la drogue serait entrée dans le pays depuis Madagascar. Samantha Chaurimutu a été inculpée de trafic de drogue en cours de Rosil. Pas de liberté conditionnelle pour la jeune femme. La police attend ses explications. Les enquêteurs estiment avoir frappé au cœur d'un réseau. Des complices sont recherchés.